Bienvenue à Madère. Merci et beaucoup. Et de champagne. Super. On était deux, hein. Je l'ai pas tout seul. C'est beau? Ah, c'est parfait. Super. Top. Si on m'avait dit ça, que j'allais faire le meilleur départ et que j'allais gagner la première étape, j'aurais cru personne. Super heureux. C'est une belle première étape qui se concrétise. Je suis ravi, c'était dur, c'était compliqué. Et puis arriver sur Madère comme ça, au coude à coude avec le 747, c'était parfait, génial. Je pense que la différence, elle s'est faite sur un virement hier au soir. Sur un virement de David Raison, et sinon elle était vraiment touche-touche tout le temps, tout le temps. Bah ouais, ouais, c'est pas mal, bon, je suis complètement cramé, pas beaucoup dormi, pas assez dormi, c'est une faute. Mais sinon, ouais, c'était intéressant, j'ai pu voir que le bateau est beaucoup, enfin, va quand même bien costaud, quoi, parce qu'il a pris des, il a quand même pris des beaux chocs. Je suis jamais arrivé aussi fatigué d'une course, quoi. Ah ouais. On a eu des conditions dures quand même, si tu veux, le dégolfage était pétole, donc bah, fallait être vigilant, donc on n'a pas dormi. Et puis bah après on s'est fait cartonner quoi. Et c'est super d'être là quoi. Alors, je connaissais pas Madère, c'est magnifique quand on arrive. Ça va être très très bien. Un bon début de transat. C'est génial parce que je n'ai pas loin l'arrière les premiers. Je fais un super course, je trouve, j'avance bien avec le bateau, le bateau va vite, donc je suis super content. Ah oui, c'est une grande revanche pour 2009. Ah, c'est pas fini, c'est que les premières étapes, mais je pense que c'est déjà un bon début. Donc, je suis vraiment fatigué parce que ça, c'est une course super fatigante.